Ça se passe en fou. Voilà une petite fille qui travaille avec son petit frère. Ils sont en train de creuser un puits de 20 mètres, jamais vu. Venez un peu voir ça de plus près. Ah, les gars, regardons ensemble les miracles. Ils ont commencé, ça fait une semaine. Hmm? Regardez, venez. Elle, c'est la grande soeur et le petit frère qui est dedans. Hein. Vous-même, venez voir. Venez. Venez à la caméra. Mon petit, s'il te plaît, tu peux monter. Monte un peu, s'il te plaît. On te voit un peu, mes abonnés te voient. Regarde, dit que c'est incroyable. Regardez comment elle tire. Regardez. C'est dit que c'est. Je suis dépassé. Du jamais vu. Vraiment. Ça se passe uniquement en fou. Voilà une petite fille. Attendez, vous allez voir le petit qui a creusé ce puits. Je suis dépassé. Moi-même, je n'arrive pas à croire. Dans la même fois. Voilà. Regardez, le voici qui monte. Là, c'est dans le centre. Le puits. Voilà. Bonjour, mon petit. Oh, beaucoup de courage. Hein. Aussi. Tu t'appelles comment? Et voilà. Mais mon petit, tu prends quel courage d'ancrer comme ça, long comme ça, et creuser un puits comme ça. Hein? Tu as la gnaque. Ça veut dire que tu as un homme. Ok, ça va aller, mon petit. Beaucoup de courage. Hein? Oui. Mais mes abonnés vont te voir, n'est-ce pas? Oui. Et bon, c'est qui est-ce, non? Voilà, les dieux là. Oui. Voilà maintenant ta grande soeur. Bonsoir. Toi, tu t'appelles comment? Voilà les génies du pays. Ah. Et vous voilà, faites ça pourquoi? Vous faites la cuisine pourquoi? C'est pourquoi? On cherche l'argent pour nos frères de scolarité. Ah, oui, oh. Ok, wow. Ok. Beaucoup de courage. Hein? Beaucoup de félicitations, vraiment. Bah, j'admire vraiment vos courage parce que moi-même, je n'ai jamais vu ça. Bravo. Vous suivez? Je n'ai jamais vu ça. Donc, ce qui est là, c'est que, vous voyez, voilà, je dis que c'est réel, hein, je ne suis pas en train de faire. Le PA, ça a plus de 12 ans, mais moi, je ne comprends pas. C'est ce petit qui a creusé ça. Regardez comment il sort. Vous avez vu comment il est sorti du clou, non? Là, c'est sa grande soeur. C'est elle qui tire et le petit lui creuse. Je suis dépassé. Donc, à tous mes abonnés, ça, c'est on doit encourager. Vous voyez un peu, vous allez encourager le travail. Vous devez encourager le travail. Et déjà, s'il y a les aides vraiment pour vous encourager, wow, ces wow, jeunes wow, 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 qui wow, se battent wow. Pour pouvoir étudier et payer la vie de leurs fiction, parents. Vraiment beaucoup de courage hein, et ça va aller. Et cette vidéo, wow. Je vais la publier parce que ça me fait vraiment mal. Et les gens vont vous aider. Wow. Beaucoup de courage, hein, mon petit. Mais faites très, très attention. Suis parce que c'est très profond. Vous avez suivi. Ok. Pas de l'avant. Ce qui est sûr, Dieu est là. Tu suis mon petit. Ça va aller. Dieu va aider. Et dorénavant, tu ne pourras plus faire ça. Tu suis. Ok, beaucoup de courage. Vraiment, j'encourage. Je suis dépassé. Les mots me manquent même. Je suis dépassé. Regardez l'enfant. Tu as quel âge, mon petit? Wow. Bien ça, mon petit. Ça va aller. Ok, big up à toi. Bon, ce qui est là, c'est que ces deux enfants méritent l'encouragement. Méritent beaucoup d'encouragement. Vraiment, ça me va gauche. Et que ses parents doivent être fiers d'eux. Doivent vraiment être fiers. Donc, beaucoup de courage. Et Dieu va vous aider. Vous allez réussir wow. Parce que vous avez la gnaque là. Wow. Ok, wow. One spirit. Coupe la. Wow. Je suis sans voix, les amis. Vous venez d'écouter la vidéo de ces deux jeunes. Sa grande sœur qui est en train de tirer sans poulie. Ils sont déjà à 12 mètres. Le petit frère, 13 ans. Vous voyez comment le puits est creusé d'une manière professionnelle. Même les pères de 35-40 ans qui creusent les puits dehors, là, ils ne creusent pas. Regardez comment le puits là est bien creusé. Je suis tombé sur cette vidéo. Je ne connais pas le petit qui a présenté cette vidéo. J'ai patrouillé Facebook. Je suis tombé sur ça. Et ce qui est bizarre, c'est que le petit fait toute une vidéo, il ne met pas même le numéro, le contact des parents. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ses enfants, qui peut même me mettre en contact avec ses enfants, c'est les enfants pour soutenir. Il viendrait voir même les parents de cet enfant. Il faut qu'on... Parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent aider le petit. Le petit lui dit, il se retrouve en train de faire ce métier. Regardez comment la misère... Dans mon pays, regardez la misère. Quand le bas peuple souffre. Le petit dit qu'il se retrouve en train de faire ça. Déjà pour soutenir leurs parents. Pour payer leur fourniture scolaire. Quand je pense que j'ai un gros gaillard qui a presque 11 ans. Qui est encore couché là, qui demande
de petit déjeuner le matin, de petit déjeuner le soir. J'ai montré ça à mon fils. Et regarde, il a 13 ans. Il creuse le puits. J'ai présenté cette image à mon fils. Que toi, tu comptes sur papa. Tu as quel âge? Est-ce que toi, tu vois l'exemple? Ça, c'est une vidéo qu'il faut présenter aux enfants paresseux. Oui, mais la question que je me pose même, c'est que quel monsieur a eu le courage de donner un puits de 20 mètres à un enfant de 13 ans à creuser? Au-delà qu'on a un génie devant nous, c'est vrai, le puits a permis qu'on découvre ce jeune garçon, ce petit enfant. Mais qui court ce genre de risque-là? Qui court ce genre de risque à donner un puits de 20 mètres aux petits enfants comme ça? Mais est-ce que celui qui les a donné le puits ne pouvait pas même les soutenir? Si le gaz qu'il le mouna l'enfant là dans le trou là, on va dire quoi? C'est quel risque ça? Oh, je ne sais pas comment je vais faire pour entrer en contact avec la famille de cet enfant, de ces enfants là. Vraiment, c'est encourageant. J'ai dit que quand je suis tombé, j'ai regardé la douce, la fille, j'ai dit, hey! Non, je peux ne pas partager cette vidéo. Si quelqu'un connaît cette famille, en fou. Mettez-nous en contact, j'irai voir les parents. Il faut que les gens découvrent les parents de ces enfants. Il faut qu'on vienne en aide, on soutient ces enfants. Ces enfants, ça c'est des enfants qui vont réussir. Ça c'est des génies du pays. Ça c'est des enfants, si on encadre, on va beaucoup profiter de ces enfants. Surtout le petit génie qui creuse là. Mais ça c'est un génie, dis donc. Mais ce qui m'a un peu aussi fait rire, c'est que quand je regarde les commentaires sur la vidéo de ce petit qui a présenté, on lui dit que toi, tu qui présentes l'enfant de 13 ans qui creuse le puits là, qu'est-ce que toi-même tu fais comme métier? Tu es sur TikTok, tu te balades, tu filmes. Voilà un bon exemple que l'enfant de 13 ans te montre, que toi-même tu dois travailler. Mais tu fais le TikTok. Mais n'est rien contre le petit, parce que c'est grâce au petit aussi qu'on découvre le petit. Donc, chaque boulot nécessite le respect. Donc, le petit aussi, lui, son travail, c'est de présenter ceux qui travaillent. Et il nous a présenté ce jeune génie que nous avons découvert ensemble. Regarde, franchement, partagez la vidéo aussi. Ça, c'est une vidéo qui doit m'arriver à la présidence. Ça, c'est une vidéo que le président de la République doit, tous les membres du gouvernement là doivent regarder cette vidéo. Hein? Ils doivent voir comment les jeunes Camerounais veulent travailler, mais il n'y a pas le travail. Les jeunes Camerounais veulent se battre. Il n'y a pas de paresseux au Cameroun. Voilà les enfants qui veulent travailler. Et mais il n'y a pas le travail. Regardez un enfant de 13 ans qui se retrouve dans le trou, en train de creuser le puits de 20 mètres. Ah! C'est pas possible. Les amis, partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo.